En Libye, ça bouge du côté de la frontière sud-ouest, la frontière algérienne. Des soldats du maréchal Khalifa Haftar, selon le journal Le Monde, font route en direction des zones du sud-ouest contrôlées par le gouvernement rival installé à Tripoli et reconnu par l'ONU. Si l'armée de Haftar se dirige vers cette frontière du sud-ouest, notamment vers la frontière algérienne, selon certaines sources, c'est sur instigation russo-turque et égyptienne. Les Turcs, les Égyptiens et les Russes sont derrière le maréchal Haftar pour que ce maréchal fonce sur l'Algérie et va occuper l'Algérie qui est déjà engluée dans ses propres problèmes, dans des problèmes qu'elle a créés elle-même dans la région. Eh bien, si le général Haftar venait à attaquer l'Algérie, c'est la débandade. C'est la débandade en Algérie, pourquoi? Parce que ceux qui prétendent que Haftar possède une petite armée par rapport à l'armée algérienne qui est plus nombreuse et mieux armée, c'est-à-dire qu'elle a du matériel, eh bien, les renseignements russes et turcs aussi, et tout le monde le sait, ce n'est plus un secret pour personne, ont vite fait de rassurer Haftar que l'armée algérienne est prenable, que c'est une armée démoralisée, parce que cette armée est dirigée par des généraux, entre guillemets, qui n'ont aucun pouvoir de décision, et qui se comportent en simples hommes de troupe. Des généraux qui ont tous la peur bleue de se voir jeter derrière les barreaux du jour au lendemain par un psychopathe qui est à la tête de l'armée algérienne, le bien nommé Saïd Chengriha. Eh oui, plus d'une soixantaine de généraux sont en prison. Pourquoi? Pour une histoire de règlement de compte avec ce général criminel qui a tué de sa main des Algériens et les a tués de sang-froid. Il est connu, ce bonhomme, et il a réduit l'armée algérienne à une troupe d'hommes de troupe gagnés par la peur. Gagnés par la peur. Des généraux se sont vus arrêtés de manière musclée, emmenés dans des centres de torture, notamment le centre Antar, où on leur portait une camisole pleine de sang, d'urine, de poux, toute sale, et on leur crache dessus, on les bat, on les écrase, et c'était la première des choses qu'on fait à un général une fois arrêté avant qu'il ne soit auditionné et avant qu'il ne soit incarcéré. C'est-à-dire qu'on le détruit moralement pour qu'il réponde, hein, pour que son audition se déroule comme souhaité par ceux qui ont manigancé son arrestation. C'est ça l'armée algérienne. Une armée qui n'a d'armée que le nom, qui
qui n'a d'armée que le nom. C'est une troupe, pour ne pas la qualifier autrement, une troupe dirigée par des hommes de troupe, par des HDT. Ni plus ni moins. Voilà pourquoi Haftar ne craint nullement l'armée algérienne et il risque de lui faire essuyer une correction historique. Et oui, ça va être la débâcle de l'armée algérienne. C'est ce que nous ne souhaitons pas pour cette armée, après tout, elle porte le nom de l'Algérie. Bien que les responsables qui doivent assumer une éventuelle débâcle de l'armée algérienne, ce sont ces criminels qui sont à la tête de l'État algérien et qui font tout pour se maintenir en écrasant le peuple algérien, en violant sa volonté, en s'imposant par tous les moyens de répression. Mais cela ne saurait perdurer. Viendra un jour où le soleil se lèvera sur l'Algérie, le soleil de la liberté. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Au revoir et merci.